Bonjour, bonjour les chéris. Nous sommes dimanche matin. Nous pensions partir aujourd'hui. Et puis là, je suis allée discuter un petit peu parce que j'entendais du bruit. Et je me doutais de ce que c'était. Ben oui, c'est exactement ça. Il y a un grand, grand marché qui est en train de s'installer dans tout le village. Donc, il y a très peu de possibilités pendant qu'il y ait le marché. Que l'on puisse partir, le marché n'est même pas installé encore, qu'il y a déjà plein de monde dans le village. Donc je pense qu'on va devoir rester là. Et puis connaissant Trissa, elle va avoir beaucoup beaucoup de plaisir à aller traîner et analyser chaque stand. Et il n'est même pas 10h du matin que ça y est, ça s'active dans tous les sens. Bon, on est parti aujourd'hui. Comme elle a déjà dit Ambre, mais ça va être difficile, je crois. Regardez-moi ça là. Le parking il est plein. Il y a des voitures dans tous les sens. Voilà. Et en fait, c'est qu'il y a le marché. Allez, on va aller faire un tour. Venez avec moi, je vous amène faire un tour au marché. Là, nous sommes juste à la sortie du parking. De notre parking. Et il y a déjà du monde. On est, il est, allez, on va dire une heure à peu près. Et en foule. Il y a des foulards, il y a des vêtements, des bijoux. Ah ben ça, ce sont des Africains. Ouais. En tout cas des noirs. Ça court, ça bouge dans tous les sens. En face, il y a des chaussures. Un peu plus loin, il y a des fleurs. Des lunettes. Et on a des choses partout. Il y a des gens, des vendeurs, carrément. Il se garait, le nez contre le mur. Et il a ouvert le coffre de son break. Et c'est ça sa boutique. Et mais pourquoi pas, tiens. Sac, t-shirt. Vrai Lacoste? Ouais, pourquoi pas? On sait jamais. Allez, on va faire un tour par là. Direction plage. Bueno, pues a continuación se regala.
Sí, ¿no? Porque las ¿qué manía tienen de lavar la ropa? Cada, la ropa. ¿Lo pones tú? Se lleva dos pilas, de eso. Los nubes que están enseguida regalando. Vale, vale, pero pues entonces cuando veas lo que te hace falta. Cuando... Ils sont jolis les foulards. Oh, j'aime beaucoup. No es eso, no me has entendido, es muy claro, claro. No tiene color. Et un peu plus loin, c'est la plage. Et en plein milieu de parfums, sous-vêtements, foulards, mais des poissons. Moi, je dirais que c'est la morue. Poisson, chorizo, salmon. Le boudin, piment, les anchois, voilà. Du fromage. Ah, derrière, il y a un poulpe. Calamar. Les petits gâteaux. Et à côté, il y a des chaussures. Il y a aussi les fruits et légumes. Melon, pastèque, ananas, et bien évidemment des oranges, pommes, carottes, mangue. Et voilà. Il y a tout. Derrière, il y a des poivrons. C'est marrant. Tout est mélangé. Et elle a la queue. Je comprends rien à ce qu'il dit, mais elle a certainement raison. Ah, sont bons les poivrons. Oye bien. Patates, haricots, bananes. Et à côté, des survettes. Non, ça j'en ai pas besoin. Voilà, le retour du marché. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? On va commencer par ça. Tiens, ça, je crois qu'il c'est une dame gentille, une vieille mamie. Voilà, j'avais pour 7,29€, j'avais presque 600 grammes de morue salée en morceaux. Regardez-moi ça, comme c'est bon. Ah, Domino, il devient fou, là. Hein? Alors, voilà, morue salée.
Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Tiens, un joli poivron, 36 centimes. Voilà. Ensuite, un morceau de fromage. Fromage de chèvre. Un joli morceau de fromage. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Ah oui. Une tête d'ail. Belle, hein? Ouais, moi ça, Domino. Ah, ah non, ça ne tenait pas. Et des jolis oignons rouges. Voilà, ça. Et ensuite, les petits gâteaux. Ah, elle a fait un nœud, donc il va falloir ouvrir le nœud. Attends, elle a fait comment là? Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Des petits gâteaux coco, noix de coco et un genre de cookie aux pépites de chocolat. Et ensuite, j'ai ici des petites brochettes. Alors, brochettes, sur les brochettes, qu'est-ce qu'il y a sur les brochettes? Allez, j'arrive pas à l'ouvrir pour vous montrer un peu mieux. Oh, mais qu'est-ce qu'il a fait comme nœud là? Hop. Des petites brochettes. Je vous montre ça. Voilà. Alors, sur la brochette, il y a quoi? Il y a un gros cornichon farci de je sais pas trop quoi. Un morceau de poivron. Un petit oignon. Une olive. Je pense que c'est très bon. À côté, ensuite, ben des cornichons. Voilà. Et un petit mélange olive verte, olive noire, petits oignons, petits cornichons et petits morceaux de poivron. Ça, des petits bricoles pour l'apéritif. Voilà. Donc, mon retour du marché. Je pense qu'on va se régaler avec ça. Vous avez vu ça? Ils nous ont piqué la mer. Ils nous ont piqué l'océan. Domino, non, 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 Domino, non, 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 allez, va-t'en, pose-toi. Elle est loin la mer là, elle est partie où? Oh là, toute l'autre bout, on va voir si on la retrouve. Tu viens Domino? On va voir si on retrouve la mer, tout au bout là. Oh! Du coup, la plage, elle a drôlement agrandi. Regardez-moi ça, il n'y a plus rien là, plus d'eau, plus rien. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir convaincre Domino de venir avec moi. Allez, on va passer par là. Il y a moins d'eau, il va peut-être venir. Il fait toujours super beau ici. Bon, du coup, avec le marché, on a décidé de rester un jour de plus. Et de partir que demain. On est dimanche aujourd'hui et puis on va partir que demain. C'est très bien. Allez, on va s'approcher un peu. Bah, l'eau. Des dessins éphémères. Escargot. Et Domino. Et un autre escargot. Un chat, c'est marqué miaou, c'est un chat. C'est marrant ça. Il y en a d'autres de l'autre côté. Mais voilà, où est l'eau? On s'approche. Voilà les dessins faits par l'eau. Une belle dimanche. Ouais, voyez derrière moi la mer, elle revient petit à petit. Sur ce, je vous souhaite un bel dimanche, je vous fais des gros bisous,
et à très bientôt. Ciao, ciao.